procédure de prise flacon plein. Donc, vous avez ici un bouton Free Motion qui vous permet, lorsque vous appuyez, de déplacer le robot de manière simple. Vous allez vous positionner dans une position juste au-dessus des deux rampes, comme ceci, qui sera donc votre premier point. On va appeler le point d'attente. Et on appuie sur Save. En appuyant sur Save, vous allez constater que vous allez avoir ici la première ligne qui se crée avec les 6 positions axe moteur. Donc une fois qu'on a réalisé ça, nous allons continuer la programmation robot en retournant sur le bras. Nous rappuyons sur Free Motion. Nous allons chercher une position en point d'approche bien au-dessus et nous essayons vraiment de nous axer par rapport au flacon. Save. Maintenant, nous retournons sur la partie... Alors, visiblement, il n'a pas pris le point. Super. Si, il a bien pris le deuxième point. Donc, je couperai ça. C'est pas grave. Donc, ici, maintenant, si l'on constate, on a bien deux points. Nous allons aller dans Tool pour faire une ouverture pince. Donc, un Open Gripper. Utilisez bien la version 2, c'est-à-dire la version à 100% et 20%. Et nous allons démarrer juste après le point d'attente, nous allons faire une ouverture pince. Donc juste après le point d'attente, nous allons faire une ouverture pince. Maintenant, nous allons chercher à faire le point de prise. Donc nous descendons ici, Free Motion, et nous cherchons à nous positionner correctement pour avoir un bon point de prise. Save. Nous avons un troisième point. Nous allons pouvoir ensuite utiliser Tool. Fermeture, et la fermeture, nous pouvons la monter à 70% du couple. Parce que 50% c'était un peu léger. Et à partir de là, le robot va faire le serrage. L'idée c'est que le point d'approche soit identique que le point de sortie. Donc nous allons copier ce point-là, ce point d'approche. Nous allons faire un CTRL-C. CTRL-V pour pouvoir que ce soit la même chose que notre point de sortie. Donc théoriquement, lorsque nous allons lancer le cycle programme, maintenant, nous allons repositionner le robot en position, on va dire, retrait, pour pas qu'il y ait de conflit au niveau du démarrage. Et si nous lançons le cycle, le cycle devrait faire position d'attente, ouverture pince, elle est déjà ouverte, déplacement, point d'approche, descente, prise, et ressorti exactement au même point d'approche.